à tous les chefs d'État des pays sous influence du Front CFA, à tous les dirigeants, qu'ils soient civils ou militaires, du Bénin, du Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Comores. À quand votre décision collective d'abandonner cette monnaie criminelle, cette monnaie génocidaire, cet instrument de fiducie monétaire qu'est le franc CFA? Est-ce que Emmanuel Macron vous écrase à ce point? Oui, Emmanuel Macron a embrasé l'Algérie avec une guerre hybride. Nous nous sommes adressés à lui. Maintenant, nous nous adressons à vous, parce que tous vos pays ont une dette historique envers l'Algérie. Sans le sacrifice de la nation algérienne, point d'indépendance pour vous tous. Récemment, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO, ECOWAS. Nous le répétons, la CEDEAO, l'ECOWAS, est une organisation interétatique, internationale, terroriste. À cette organisation terroriste qui s'appelle CEDEAO ECOWAS, il faudra ajouter les deux autres organisations terroristes que sont l'Union économique monétaire ouest-africaine et l'Union monétaire ouest-africaine, la CEDEAO. Après ce sursaut, nous avons prédit la déstabilisation du Sénégal. Et le Sénégal ne fait que rentrer dans la spirale de la violence. Certainement applaudi, appuyé par Emmanuel Macron. Aux dirigeants militaire du Tchad. Nous vous suggérons tout simplement de réécouter ce qu'a dit le précédent président du Tchad, militaire, lui aussi, le précédent président du Tchad qui a été assassiné. Sur le rôle de la France dans la modification de votre constitution. La nation tchadienne demeurera aussi africaine que la nation algérienne. Mais elle demeurera esclave de la France. Moins que ne l'est la nation algérienne. À vous, chef d'État de la zone CFA, vous tous, nous vous répétons. Que dans ce 21e siècle, raconter des salades sur le développement économique et politique de vos pays est une niaiserie.
naissance. L'Algérie est un pays hyper sous-développé. Qu'en est-il de vous? Nous allons, à notre message, nous allons ajouter des références sur certaines de nos actions et certaines de nos publications sur ce sujet. Notre travail remonte à plus de 10 ans. Ça. Avant de revenir sur la consistance des relations internationales nécessaires entre vous tous et la création d'une dynamique collective et non individuelle, parce que toute initiative individuelle d'un État sera une autre stupidité, une autre idiotie, une autre preuve que vous êtes tous manipulés.